Chantal. Donc, la vidéo aujourd'hui, c'est pour. Je voudrais mettre l'accent sur deux ou trois choses. Je me suis rendu compte que je travaille souvent sur vous, mais. C'est tellement facile de se laisser prendre ou embobiner par son environnement. C'est facile de se laisser embobiner par son environnement. Bonjour Joko. Et plusieurs fois j'ai eu des personnes qui m'ont fait comprendre en fait, voilà, j'essaye, mais je n'y arrive pas. La première chose que tu dois comprendre quand tu commences les bains de sel, première chose que tu dois comprendre, c'est que le bain de sel, c'est pas lui qui fait le miracle en fait. Le bain de sel est là comme un support spirituel. Et le support spirituel va juste enlever les énergies qui quotidiennement te bloquaient. Maintenant, c'est à toi, quand l'idée vient, de poser l'acte. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver. Ta vie ne va pas changer en fait. Tes choses ne changeront pas. Et beaucoup de personnes confondent souvent les choses quand ils se disent, voilà, je sors avec tel homme, il me bloque. Ça, c'est généralement les conversations que j'ai avec les femmes. Oh, j'ai tel homme avec qui je vis, il ne me donne pas l'argent, il ne me... Déjà, quand tu commences le bain de sel, ça veut dire que chaque jour, tu vas répéter ce que tu veux. Tu vas demander là ce que tu veux. Tu vas visualiser là où tu veux partir. Et c'est déjà un très grand pas vers le succès. La deuxième chose, tu vas commencer à avoir les batailles de ton entourage. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous disent toujours que j'ai commencé les bains de sel, après, vous allez vous trouver même des gens qui vont vous appeler. Tu penses que tu es qui? Tu te prends pour qui? Bonjour Odette, bonjour Arnaud. Sans compter l'adversité intérieure que tu vas ressentir. Il y a une adversité que tu vas ressentir dans ton corps. Les gens qui pensent souvent que ce sont leurs gars qui les bloquent là. C'est quand ton gars part, tu n'avances pas, que tu comprends que ce n'était pas ton gars. C'était toi. Je répète, c'est quand tu te sépares de ton gars, tu vois que les choses n'avancent pas toujours. C'est là que tu comprends que ton vrai obstacle, c'était toi. Bonjour Linda. Je n'aime pas le mot dominical là. Parce que on vous a programmé de telle façon que dimanche, c'est le seul jour où vous vous habillez bien. C'est le seul jour où vous vous...
Je n'aime pas le mot dominical. Pour moi, dominical, ça veut dire programmation. Et merci, Karen. Et faites très attention aux personnes que vous laissez autour de vous. Beaucoup d'entre vous, vous avez... Bonjour, nouvelle fille qui vient d'arriver sur ma page. Abonnez-vous là, vos sols. Regardez-vous au sel, s'il vous plaît. Tu te sépares de ton ex, tu vois les changements. Ok. Moi, personnellement, quand je me suis séparée, à chaque fois, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui qui me bloquait. C'était moi. On se bloque nous-mêmes. On se bloque nous-mêmes avec la paresse. Les excuses. Tapoter le direct au. Il faut qu'on arrive à 15 000 sur TikTok. Les consultations actuellement, c'est 48 euros. C'est 30 000. Promotion, c'est pour deux jours. Ça se termine demain à 9 h. Donc, je n'ai pas consulté hier. Je n'ai pas consulté. Je ne consulterai pas aujourd'hui. Mais demain, je vous reprends. La vidéo sur le bain de sel est sur ma page. Donc, il faut sortir pour repartir sur la page, vous regardez. Tu te bloques en laissant quelqu'un d'autre te bloquer. En permettant. J'ai toujours un truc que je me répète dans ma tête pour sortir des situations. Ok, si je pense que c'est le... Je ne peux pas vivre sans le gars, c'est parce qu'il me soutient financièrement, parce que je me dis, si il meurt aujourd'hui, je fais comment? L'homme qui te soutient là, s'il meurt, donc tu vas être jeté dans la tombe. Tu vas l'enterrer. Fini les obsèques. Tu vas vivre, n'est-ce pas? Sans lui, n'est-ce pas? Hein? Si je vais vivre ou je peux vivre sans lui, pourquoi je laisse la pensée rester dans ma tête, cette pensée qui me fait croire que c'est lui qui me bloque. Qui ici a déjà vu une veuve aller se coucher à côté de son mari pour qu'on l'enterre? Tu sais, si je le quitte, je vais faire comment? Et tu sais que tous les projets que tu as commencé, il suffit qu'ils soient au courant. Je sais que les hommes vont dire que je parle toujours aux femmes. Oui, je ne m'excuse pas. Si mon public, ceux qui m'écoutent en majorité, sont ça, j'ai vu les sondages sur TikTok. Je les regarde constamment. 70% des personnes qui me suivent, ce sont les femmes. 80% de mes clients sont les femmes. Et les 20% d'hommes, là, ça ne les gêne pas que je parle seulement aux femmes.
La portée, on doit arriver à 15 000. Tu es là, tu te dis, ah, j'aurais voulu partir. J'aurais voulu faire. Mais c'est mon mari. Si je le quitte, je vais vivre où? Si l'homme là meurt, on reprend la maison, votre maison là. Tu vas faire comment, chérie? Hein? Tu vas vivre non? Celle qui demande mon aide, elle a commencé à vous laver le sel. Tu te laves pas le sel. Et votre vie dépend tellement de votre mental. C'est comme si il y a une partie de toi qui se bat contre une autre partie dans ton esprit pour croire que tu peux devenir millionnaire en dollars. J'ai remarqué que les gens qui sont autour de toi, parfois même tes enfants, ne vont pas adhérer totalement. Il y a des personnes autour de toi qui ne vont pas accepter que tu sois riche. On va te laisser être chrétienne, hein? Voilà un peu un contraste que j'ai remarqué dans la vie. Ah, elle va à l'église. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, tu vas à l'église. Oh, good. Oh, good. Ah, elle travaille sur elle déjà. Je l'ai vu chez la femme qui lave les gens là. Elle fait la société. Faites que les gens acceptent au bout. Sachez que quand vous regardez les vidéos sur ma page Anelor, la première vidéo sur mon compte parle du bain de sel. Va regarder. Si tu ne peux pas regarder, tu laisses mamie. T'as compris? La vie, c'est le chercher. Ce n'est pas la chance. La vie, ce n'est pas la chance. La vie, c'est les efforts que je mets pour me préparer. Voilà. Oh non. Regardez, je l'ai vu chez la femme là. Celle qui fait le lavage aux gens là. Je l'ai vu commenter une de ses vidéos. Il y a même une jeune fille là, elle a mis ma photo sur sa photo de profil. On a commencé à la contacter. On a fait, je vois qu'on a commencé à tout le lavage du cerveau. Je vois que tu te crois déjà. Tant que les gens autour de vous ne vous attaquent pas, parce qu'il y a une jalousie maladive dans l'être humain qui fait que quand tu fais ce qu'il va faire, ouais, c'est bien. Pourquoi vous n'avez jamais. Ben, Seigneur. Ah, elle a déjà fait sa procédure pour partir au Canada. C'est pour ça qu'en faisant même vos procédures, vous ne dites même plus aux gens. Ah, elle est en train de. Tu dis que mais attends un peu. C'est un peu mon argent, non? Est-ce qu'il te demande l'argent pour faire mes papiers? Mais ça va déranger les gens. Mettez les cœurs. On est à 10 000. Il faut qu'on arrive à 20 000. Mettez les cœurs là-bas.
liker. Parfois, tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas bien pour toi. Ton entourage connaît. Ils connaissent. Merci. Anne-Laure, je vais moi te bloquer. Oh. Va regarder encore. Va. J'ai 3 vidéos. Anne-Laure, je vais moi te bloquer. Oh. Tu comprends? Va regarder 3 vidéos là. Et tu sors de mon direct. Parais sur moi, mais non. Désolé, tu es désolé de quoi? Vous me laissez. Vous pouvez aller apparaître ici sur moi. J'ai épinglé les vidéos pour que quand tu me contactes, tu ne viens même pas dire que n'y. Eh, pardon. Bonjour, petit oiseau. Ça va? Les oiseaux aiment trop mes fenêtres. Hier, l'autre exercice, là, j'étais vraiment filmé la fuite. Je peux te filmer, oiseau? Ne fuis pas. Ne fuis pas. Ok. Ne fuis pas. Très bien. Il est parti. Et vous disiez que il y a des gens qui savent que ton gars là n'est pas bien pour toi. Ils ne vont jamais te dire. Vous savez, j'aime les gens qui critiquent ouvertement. Les Africains aiment trop l'hypocrisie. Vous aimez l'hypocrisie. Ton gars te menace. Cherche ta copine qui vient te dire que le gars ce n'est pas bien pour toi, chérie. Cherche ta copine là. Le jour où tu dis que je vais quitter le gars parce que je vais aller. Là voilà, elle a quitté le mariage. Elle a quitté le mariage. Regardez là. Mamie, mets ta tête qu'une place. Tu mets ta tête comme ça, tu avances. Tu connais ce que tu cherches. Il y en a qui sont dans le mariage depuis 1 an. 5 ans, 10 ans, tu n'as pas avancé d'un pouce. Tout ce que tu as fait, tu as accouché 4 enfants. Et les enfants là te sucent l'énergie. Écoutez, certains de vos enfants là vous empêchent de vivre. Il faut les pensées du quartier qu'on vous donne là. T'as côté, les pensées là. Ah, en tout cas, j'ai quand même fait mes enfants. N'est-ce que tu as laissé avec les enfants, mamie? Et t'as pas beaucoup, beaucoup, non? N'est-ce pas? Tes 20 prochaines années sont hypothéquées, handicapées sur les enfants. Les choix de vie que les gens font souvent, même. Les choix de vie. Tu te consoles. J'ai fait mes enfants, non. C'est le palmarès. Hein? Parfois, tu fais les enfants, on vient me dire que. Ouais, tu, la dot sera beaucoup, hein? Voilà ta mère qui a fait 5 filles. Qui est venue donner la dot? Ah, Seigneur! Oh Seigneur, préserve-nous. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il dit là, ça va se sucrer dans ma bouche jusqu'à. Eh Seigneur. Aïe.
Parfois, on détourne tes enfants contre toi. Les enfants sont un investissement à vie. Vous voulez faire beaucoup d'enfants là. Les enfants sont un... Et beaucoup d'entre vous, les femmes, c'est vous qui vous occupez de vos enfants. Parlons de quoi? Depuis que tu as accouché là, tu dépenses combien sur la femme? Il y en a, vous avez mis tous vos projets en stand-by. Et tu dis que ça va aller. Hein? Tu as perdu beaucoup d'opportunités de travail à cause de l'enfant. Ça va aller. En allant encore ouvrir tes pieds pour prendre l'autre. Réfléchis. Le problème des femmes, c'est que vous ne voulez pas réfléchir. C'était bon. Vraiment, on s'aimait qu'on a conçu l'enfant là. Tes 20 prochaines années, tu as l'enfant là sur ton dos. Hein, mamie Yanga? Hein? C'est en Europe qu'on donne l'argent aux gens parce qu'ils sont accouchés. En Afrique, c'est une place. Tu as tes enfants, tu t'en occupes. Le jour où ça te fait chaud, tu supportes. Bonjour, Serge. Bonjour, bonjour sur Facebook. C'est. Ouais, quelqu'un. Okay. Voilà l'exemple qui est passé. Qui avait demandé si tu as acheté la vie de l'enfant? Hein? Même le propre père de ton enfant n'a pas demandé. Vous parlez au téléphone. Il dit oui, oui, non, ça oui, vous parlez de tout. Vous tournez. Il ne parle pas de son enfant. Linda dit que c'est quand elle croyait que c'est quand elle allait finir de faire ses enfants qu'elle allait être libre de faire ses affaires. Donc voilà, tu as mon enfant enceinte, non? N'est-ce pas? Je suis avec deux enfants en Algérie, je ne sais pas quoi faire. Bonjour Lucienne, allez vous handicaper, allez. Reine d'Aline, bonjour. On va te poster les cartes là la semaine ci. Tu as compris ma chérie? Nico, bonjour. Ah! Et les femmes rejettent la sagesse. Les femmes rejettent la sagesse. Vous aimez être les héroïnes. J'ai souffert. Tu peux prouver que tu as souffert derrière l'enfant public. Hein? Oh, non. Hop. Tu sais, j'ai souffert derrière les enfants, si vraiment. Tu demandes à Kadja, qu'elle est partie faire, à Kadja, qu'elle est partie faire quoi avec les enfants là-bas? Il faut laisser, pardon. Chacun connaît sa chose. Mm-hmm. À chacun sa chose.
Beaucoup d'entre vous, vos parents ont tellement souffert qu'ils n'ont pas pu vous donner une bonne éducation. Ce qui fait que manque de bonne éducation, ton niveau financier est bas. Au lieu d'attendre un homme dans la trentaine avant de faire les enfants comme ça, tu prends 10 ans de ta vie. Tu te construis. Ta portée, on va arriver à 30 000. Ta portée sur TikTok. Je sais pas, est-ce qu'il parle mal? Ce qu'il dit là, c'est mal. Hein? Vous savez, de nos jours, si tu vois un gars de 27 ans, il te dit qu'il n'a pas d'enfant. Hein, pourquoi? Tu n'as pas d'enfant comment? Non, tu dois faire les enfants. Lydienne, chacun a sa vision, il n'y a pas de problème, mamie. Pardon, mamie, je t'en prie. Je ne force pas moi quelqu'un à rester dans mon direct. Je veux seulement ouvrir vos yeux. Parce que vous êtes en train de souffrir. Tu souffres depuis que tu as 15 ans. Tu as porté les enfants, tu as mis derrière toi, vous souffrez ensemble. Hein? Ah, ne réfléchissez pas. Restez là. Tu as été mariée pendant 36 ans. Tu as eu 4 enfants. Tes enfants sont grands et autonomes. Tu as fait une formation d'éducatrice spécialisée. Tu travailles. J'ai aussi compris que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui veut devenir riche. Il y a des personnes que, pour elles, c'est à son petit boulot de. Elle touche peut-être 200 000 le mois, ça lui va. Par contre, tu peux avoir une autre personne qui te dit, gars, moi je veux au moins 3 immeubles avant de mourir. Je veux mes 3 immeubles. Je veux mes 3 immeubles. Je veux laisser quelque chose. Donc, on ne parle pas tous d'un même point. C'est ce que je suis en train de dire là, ça, tout le monde va me comprendre. Et ça ne me dérange pas. It doesn't bother me, ok? Voilà. Moi, je ne veux pas dire j'ai souffert jamais. Ok. Je préfère et je veux être heureuse et goûter au bonheur, sucre doux. Ok. Je ne parle même pas de célibat et là, je ne parle pas de relation. Je parle de vision pour sa vie. Imagine-toi un jeune bachelor ou c'est bachelor. 32 ans, 35 ans, sans enfant, tu as fini ton cycle de je ne sais quoi. Tu as déjà ta Range Rover, tu as deux maisons que tu as achetées. Une, tu fais du Airbnb avec, l'autre, tu ne je sais pas. Ou tu as pris deux maisons, tu as mis, tu fais Airbnb avec, tu as loué ton appartement. Les gens vont arriver, ils vont te voir, on va dire que tu échoues ta vie. Selon les standards de qui? Mais c'est à quelque chose qui est sûr, c'est que tu dors mieux que les autres personnes. Il y a un juste, ça c'est l'un de mes directs où je ne fais pas de voyance. Je ne suis pas prêt à faire de voyance aujourd'hui. Tu comprends? Donc est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais le passer? Si tu étudies, tu vas passer. Je travaille sur les gens que tu as étudié. Ça ne, si tu as mis tout de ton côté, ça ne marche pas. Là, maintenant, tu viens, je vois ce qui ne va pas. Voilà. Là, quand tu pars pour la première fois, tu dis, est-ce que ça va marcher? C'est le visa que tu veux demander. Assure-toi que tout ce que tu as mis dans ton dossier est propre. C'est pourquoi vous ne faites pas l'effort. Mes services ont un coût moyen. Je ne pense pas que je ne suis pas très élevé dans mon service. Parce que j'ai remarqué que la majorité des personnes, quand tu n'as pas encore maîtrisé l'argent, tu n'as pas maîtrisé la discipline. Quand tu ne peux pas venir et dire, prends 100 000 francs pour mon travail, je t'envoie 500 euros, tu as encore les problèmes. Beaucoup de vos problèmes spirituels sont les problèmes de discipline. Paresse. Je vous dis, or, il y a des choses. Vois peut-être quelqu'un te dit des cardiologues. Tu ne peux pas voir un médecin généraliste cardiologue qui est paresseux. Parce qu'il a dû développer une discipline pour étudier et arriver là où tu l'as vu là. L'argent qu'on reçoit dans la vie, c'est en fonction de l'énergie.
Comment est-ce que tu arrives à maîtriser ton énergie? Et ça, peu importe le domaine dans lequel tu es. Tu peux être un homme d'affaires. Beaucoup d'entre vous, vous avez des business. Le dimanche, vous êtes fermé. Vous ouvrez à 9h. J'ai amené quelqu'un récemment au Gabon, même en Côte d'Ivoire, ils ouvrent tard. La personne arrive. Il est debout à 6h. Il dit que bon, je vais aller à 7h. Je dis que papa, on ouvre ici à 10h. C'est la cardio ici là. Les gens, donc, on commence à pointer le nez dehors. Les seules personnes qui sont dehors à 7h sont les enfants qui partent à l'école. Les business ouvrent à 10h. Vraiment. Beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez. Même le lavage, c'est une arrive pas. C'est pour ça que j'ai remarqué que les personnes qui ont déjà atteint un certain niveau financier, quand elles arrivent dans mes vidéos, tu vois, quelqu'un m'a dit, il y a eu un monsieur une fois qui me suivait de la Suisse. Il était ophtalmologue de formation, opticien, mais je crois qu'il consultait parce qu'il m'a dit qu'il travaillait pour une entreprise, il vendait les appareils pour les yeux. Et son niveau financier, avant il avait une Range Rover, sa femme aussi, donc il était à l'aise en Suisse. Il y a eu des attaques spirituelles sur lui, il a chuté. Chuté tellement qu'il dormait sur le canapé de son ami. Et on a repossédé sa voiture, on a pris sa voiture, sa maison, tout. Ça faisait 6 mois qu'il cherchait le travail, il ne trouvait pas. Un matin, comme ça, il tombe sur une de mes vidéos, je parle du bain de pipi. Ça, c'est l'une des rares personnes qui faisait le bain de pipi tous les jours. En août, il m'appelle, il me dit, j'ai commencé le bain de pipi. J'ai écouté des vidéos de 20h à 4h. 4 jours avant d'aller me coucher, je me suis lavé avec le pipi. 8h, je me réveille. Entre 8h et 10h, j'ai eu 2 propositions de boulot. Demain, je suis censé partir signer un contrat. Il part, il signe le contrat. 2 semaines plus tard, on vient le débaucher de là avec une meilleure paye. Il laisse, aussi t'as pas laissé, il va dans l'autre le travail. Il arrive dans le nouveau travail, il cherche la maison. Vous savez, généralement, la maison demande les fiches de paye, ta ta ta. Il trouve la maison, le même jour qu'il visite, le bailleur lui permet. Tac. Je crois que je ne sais pas si la bonne paye par semaine, je ne sais pas. Mais je sais que les 2 premières semaines de travail, ou bien le premier mois, quelque chose comme ça, il a pris cet argent-là, il a payé le loyer. C'est comme ça qu'il a mis l'intérieur de sa maison. 3 mois plus tard, il était en train de descendre au Cameroun pour lui donner son premier conteneur. 3 mois. Il avait développé une discipline. C'était déjà dans lui avant. Beaucoup d'entre vous faites paresseux. Très paresseux. J'ai mon chargeur dans ce sac-là. Tu vas à quelle heure? Allô? Oh, la moto, non, ça fait 1 heure que tu dis que tu viens. Bon, en tout cas, j'ai besoin de mon chargeur. Je suis à 14% de batterie. Pour faire le direct, j'ai attendu tellement. Bon, à tout à l'heure. Attraper quelque chose et courir avec la chose. Parfois tu vois une femme, elle se dit, oui,
je veux me marier, je veux... Après, elle dit, bon, je veux plutôt trouver le boulot. Pourquoi tu vois un autre, elle te dit que... Voilà, tu as reçu ton prix de fondation, tu n'as pas encore commencé. Ne fais pas, tu as compris, mamie, ne fais pas. Hein. Ok, ne fais pas, hein. Ne commence pas. Tu vas voir une autre personne. Oui, je veux construire mon business. Tu postes combien de vidéos par jour? Bon, une vidéo souvent. Tu vends sur quelle plateforme? Écoutez, on ne vend pas les choses sur WhatsApp. 99% de tes contacts ne vont jamais acheter des choses. Le volume est bon. Tes clients sont sur TikTok. Quel que soit le pays où vous êtes, vous n'avez pas l'argent. C'est votre faute. Donc vous venez dans mes directs et vous dites, oui, t'as compté, pardon. On est à 27 000, si on peut monter à 50, c'est bon. Oui, tu as raison. Vous likez mes vidéos. Même le lavage au sel, vous ne le faites pas. Et quand je vois ça, je ris, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est ta vie qui est bloquée, mamie. Ce n'est pas ma part. On veut marcher ensemble, on parle ensemble. Mais si on veut nous acheter, on vient. On m'a dit que les moutons marchent ensemble. Je vais te bloquer, Yolande. Tu peux parler moi aussi. Sors de mon direct. Les censures là, vous n'avez pas d'argent pour payer quelque chose, mais vous n'avez pas. Vous venez pour faire les censures. Arrête ça. Parlez-moi. On marche ensemble, mais on ne vaut pas la même chose. Et je ne veux pas les Tinder. Je ne veux pas les Tinder. Ah, voilà ma Tinder là-bas. Les Tinder finissent par devenir aigris. Parce que le Tinder finit par devenir jaloux de l'autre. Oui. Chez nous les Camerounais, le Tinder, c'est la personne qui porte ton sac. Oui. Mamie, si tu veux te fâcher, tu deviens riche, c'est bon. Fâchez-vous, devenez riche. Fâche-toi, deviens riche. Vous marchez, vous posez sur TikTok, sur WhatsApp, au téléphone. Après, tu te sens bien. La conversation va t'a rapporté combien? Votre plus grand combat, ce sera votre entourage. Votre plus grand combat. Et je vous ai encore dit, quand tu vas dire, j'ai quitté l'homme là pour lancer mon business, on va commencer à se moquer de toi. Parce que les gens là savent que si ton business a réussi, tu vas quitter au milieu d'eux. On va beaucoup vous jalouser quand vous allez vous lancer dans quelque chose. Te voilà sur TikTok tous les jours, tu fais des vidéos. Ah, elle a commandé, elle est maintenant influenceuse, hein? Non, mamie, tu as sauté. Tu t'es lancé. Tapoter, on va arriver à 50 000. Tu t'es lancé. Je pars à l'église. Voilà dimanche. Tu pars à l'église. God bless you. Prie pour moi. Hein. Ce que tu as envie de faire là, on va te faire avancer. Je ne vous chasse pas de l'église. Les choses de votre vie qui vont faire avancer, les gens vont combattre ça. Je vous dis cash. Tu arrives, tu danses pendant 4 heures de temps. Tu rentres, you feel good. Tu te sens bien. Demain matin, là, j'ai devenu maman. Chaque jour qui passe, tu dois t'assurer que tu as fait quelque chose qui va te donner de l'argent. Et ces choses vont impliquer que les gens te détestent.
jusqu'à tu as ton objectif. Merci pour les fleurs. Jusqu'à tu as ton objectif. Il me faut acheter une maison. 250 000 euros. Tu bosses. Je ne fais pas d'enfant pendant 5 ans. Hey! Là, je passe déjà. Non, pendant les 5 ans, là, mamie. Je dis que tu bosses. Joins au boulot. Oh, repose-toi, vraiment, tu travailles trop. Hein? Oh. Dans 5 ans, quand ils vont venir dans ta maison, mamie, si vous compreniez, si vous pouviez comprendre la chose. Oh là là. Tout, c'est la vision, la discipline, la semence, le temps et la récolte. Et les moments de semence sont toujours très durs. Michou, bonjour. Tu prends une maison qui coûte 250 000 euros. Tu veux payer la maison là en 2 ans. Diviser 250 000 euros, on divise d'abord par 2 ans, ça fait 24 mois. Montons à 30 mois. 250 000 euros, on divise par 24 mois, oui. Ah oui. Ça fait combien d'euros par mois? Euros divisé par 24, ça fait combien par mois? Ça peut pas être seulement 1000 euros, ma chérie. 10 000 euros, pas 1000. 10 000 euros par mois. Par mois divisé par 4, ça veut dire que par semaine tu dois faire combien d'argent? €2500 par semaine. Divisons 2500 € par 5. Si tu travailles 5 jours de la semaine, les deux autres jours, parfois ça donne, parfois ça donne pas. 5 jours dessus, tu as 500 € que tu mets de côté. Donc, si tu te concentres pendant 2 ans, tu mets 500 € de côté par jour. Au bout de 2 ans, tu achètes ta maison de 250 000 euros que tu as acheté. Tu répètes l'opération 3 fois. Donc, tu prends 8 ans. C'est faisable. Vous me suivez? Descends peut-être, divise tout par deux. Prends une maison, un appartement de 120 000 euros. Ça veut dire que tu vas mettre de côté 250 euros au jour. Pendant 2 ans, je ne parle pas avec un homme, je ne parle pas avec une femme. Christian Yannou, si je ne te dis pas, tu ne peux pas savoir que c'est possible. Il y a des gens qui mettent de côté 1000 euros par jour. C'est parce que vous êtes encore bloqué dans le salaire. Joyce, voilà la bonne question que tu dois te poser. Quel est le travail que je peux faire qui peut me donner 500 euros par jour? Dans votre tête, vous cherchez à aller travailler pour quelqu'un. Là, quand j'enseigne, là, vous essayez de croire qui va m'employer. Personne ne va t'employer pour te donner 500 euros par jour.
À moins que tu ne puisses donner 5 000 € par jour à la personne. Que tu n'aies développé des compétences qui te permettent d'apporter 5 000 € à une entreprise chaque jour. Là, tu leur dis, donnez-moi 500 € sur les 5 000 €. Voilà comment on réfléchit. Voilà ce qui a ouvert mon esprit pour que je change. 2016, j'avais 20, combien étais-je pas après? Quelque chose, 29 peut-être. 2016, j'ai décidé. Je ne travaille plus pour quelqu'un. C'est là que les belles choses de ma vie ont commencé. Je peux vous dire, pour vous garantir, j'ai galéré pendant 5 ans. Ce qui m'a le plus ralenti pendant ce temps, voilà Marie qui demande encore le travail. Tu ne veux pas travailler. Il te faut créer. Moi, vous n'aimez pas réfléchir. N'est-ce pas? Vous n'aimez pas réfléchir, non? Vous laissez-moi vous asseoir 8h, 17h. Première chose qui me bloquait, c'était les relations. Relationship. Le bateau, relation bateau. Comment je te discipline? Un jour vient avec les tablettes de chocolat. Tu sais, moi aussi, je suis entrepreneur. Je veux construire un business comme toi aussi. Tu sais, il t'emploie, il te conjure. Après, je te rends compte qu'il bavarde, mais il ne le fait pas. Il bavarde, mais il ne le fait pas. 6 mois plus tard, toute ton énergie que tu avais, l'énergie se construit, la discipline se construit. La discipline, c'est une énergie qu'on construit. Si tu prends 1 an, pas de relation amoureuse, tu ne fais pas l'amour. 1 an, lavage au sel, discipline, tu fais le sport, tu vas voir en 1 an, tu auras construit une force, une puissance. Comme si tu fais les vidéos, les gens vont venir te regarder. Me suivez. Mon WhatsApp que tu cherches, c'est le 237 693 50 22 66. Ça m'a pris 5 ans d'essayer de faire les business. J'ai vendu les beignets, j'ai vendu les croquettes, j'ai vendu les caramels. En Europe, hein, j'ai fait les Airbnb. J'ai fait du coaching. J'ai même fait le marketing de réseau. Ah, vous voulez me mettre dans l'oreille. Chaque fois, parce que beaucoup d'entre vous, hein, Dieu vous a déjà donné votre vision. Dieu a déjà mis la vision de ce que tu es censé faire dans toi. Tu sais. Mais tu n'as pas la force. Dieu m'a donné la vision de The Gifted Academy en 2016. Février 2016.
Tu es à l'église dans un service. Ce n'est qu'en 2021 que je me suis mise dedans à temps plein totalement. En essayant, j'essayais, j'arrêtais, j'essayais, j'arrêtais. Bonjour, Léna. Croyez-moi, tout dépend de vous. Non, j'ai arrêté le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, c'est pour les personnes. Il y a des personnes qui sont assez disciplinées pour le marketing des réseaux. Hein. Ça demande beaucoup de force. Beaucoup. Il faut être très, très, très discipliné pour le marketing des réseaux. Et à l'époque, je n'avais pas encore cette discipline-là. Après, je me suis dit, au lieu de. Je peux toujours. Je peux toujours, au lieu de mettre mon énergie pour promouvoir les produits d'autres personnes, je peux mettre mon énergie sur mes propres produits. C'est ce que j'ai fini par faire. Donc mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Et beaucoup d'entre vous, vous laissez toujours votre esprit être préoccupé par trop de bavardage. Ma chérie, c'est possible que tu gagnes de l'argent tous les jours. Hein. Je suis en train de parler d'un truc particulier, je vous vendais. Mais je te dis que c'est possible que tu aies de l'argent qui entre dans tes poches tous les jours. C'est parce que quand tu te réveilles le matin, tu n'es pas concentré sur l'argent. Joyce, il n'a pas l'astuce pour la discipline. Décide de ce que tu veux faire. Chaque jour tu te lèves, tu. Peut-être tu peux décider que tous les jours, il me faut avoir 20 000 par jour. On commence par ça. Comment est-ce que je peux faire pour. Je vous ai dit, soit vous raconte sinon. Tu fais les œufs, tu déposes chez les boutiquiers. Tu fais le jus, tu déposes chez les boutiquiers. Après les jus, tu peux décider. Vous pensez comment. Je peux faire plutôt des jus à une grande échelle. J'en sache bien même. Et tu économises l'argent de tes jus que tu vends dans 5 boutiques. Vous ne pouvez pas multiplier vos revenus sans apporter un service à plein de personnes. Et généralement, on vous a dit, va chercher un petit boulot, assois-toi comme ça. Tu dois chercher comment multiplier tes clients. Peu importe dans quoi tu fais. Détermine, mamie. Il me faut minimum 10 000 chaque jour. Et toute personne qui vient pour me distraire, tu es mon ennemi. C'est là que tu vas voir tes anciens travailleurs pour me revenir de voir. Oh, tu sais, tu me manques. Vraiment, est-ce qu'on peut se voir? Et 3 heures de temps que tu pars au restaurant parce que tu veux manger là. Tu m'as le poisson posé de 10 000. Il prend 3 heures de ton temps. Hey! Hey! Tu dis, j'ai pas le temps. Assois-toi à la maison les 3 heures de temps. Bosse sur un de tes projets. Fabrique des coquettes en 3 heures de temps pour aller déposer pour vendre. Tapoter, on va arriver à 50 000, s'il vous plaît. Pourquoi? Why? Dès que tu te fixes un objectif, c'est là que tu vas voir tes ex qui seront amoureux de toi. Venir pour t'embrouiller. Tu es couturière, quand il parle de faire le fouleré là, la couturière ne peut pas faire le fouleré. Hein? La couturière ne peut pas faire le jus et déposer là-bas pour quelqu'un vendre. Vous devez vous limiter, je suis couturière. On mange ça.
On mange. On mange ta couture, mamie. On va pas. Pourtant, là, non. Vous devez venir avec les idées de blocage dans votre esprit. Chaque jour que je parle ici, personne n'a toujours jamais contacté pour dire que j'ai commencé mon business, c'est ça. J'ai commencé. Non. Vous m'écoutez chaque jour. Après, tu vas partir à l'église, tu rentres à l'église, tu prépares la nourriture, tu manges, tu vas regarder avec les voisins, tu vas te coucher, tu dors. Bosser sur vous. Bosser sur vous. Bosser sur vous. Chérie, je t'invite à. On vient, on sort, non, on va boire le jus. Achète ton jus, tu rentres à la maison, tu déposes. Tu dis que je suis occupée. Tu t'enfermes pendant 3 heures de temps que tu allais partir au bar avec lui le dimanche aujourd'hui là. Tu travailles sur un projet. C'est pas difficile, mes chéris. Enfin, tu pars. Un chocolat comme ça, qu'il a voulu t'épouser, ça fait 2 ans, il ne l'a pas fait. Il est revenu l'année passée, il ne l'a pas fait. Il t'appelle encore cette année, tu pars quoi? Laisse-moi tes bêtises là. Je te bloque. Je te bloque. Parfois, tu commences à façonner un business. Chocolat vient. Ah, tu sais vraiment, on peut vraiment, on peut essayer pour voir si ça va marcher. Essayons pour voir. Le voilà, il commence à prendre 1 heure de déjeuner. Tu es au téléphone avec lui. Hein? Ne fais plus les erreurs là. Ne blaguez plus. Ne freine pas ta vie. Tu as accepté qu'il freine ta vie. Tu dis que la qualité d'homme qui freine notre. Non. Tu as accepté. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui conçoivent les enfants, puis se conçoivent en disant que oui, j'ai quand même fait mes enfants. Tu as accepté, chérie. C'est toi qui as porté tes pieds, tu es monté sur la moto pour aller là-bas au bar. Est-ce qu'il t'a attaché, t'a pris en otage? Non. Bon, TikTok, allez sur Facebook. Je pense que très ou bien trop souvent, les gens donnent leur pouvoir à d'autres personnes. Et si on est vraiment honnête, on n'a pas planifié beaucoup de choses.
on vit une vie de non-planification. Michel, go and get my bag, please. Et je pense qu'il est important pour vous souvent de peser les choses. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Si tu n'y penses pas maintenant, dans 5 ans, tu ne seras nulle part. Si tu ne réfléchis pas, dans 5 ans, ça ne va pas apparaître seul. Ça ne viendra pas comme ça. Dans 5 ans, tu ne seras nulle part. Donne-moi le sac. On n'a pas au bas dedans. Tellement parfois je souhaite que vous puissiez prendre votre vie en main. Je souhaite tellement que vous puissiez prendre votre vie en main. Parce que ces choses-là ne viendront pas seules. Ça ne viendra pas seul. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va vous dire ça. Donnez-moi une minute. J'ai reçu mes cartes. Bonjour, bonjour. Parfois, quand les gens tombent sur mes vidéos, ils me contactent. Ils rentrent parfois dans un air de faiblesse. Genre, aide-moi. Et parfois, je vous dis, écoutez mes vidéos. Parce qu'il y a des pensées qui sont ancrées en vous.
Vous avez un système de pensée de telle façon que même si on vous donne 10 000 euros aujourd'hui, tu crois que tu as besoin de 10 000 euros, hein? Mais si on te donne 10 000 euros, maximum dans un mois, trois mois, c'est même beaucoup, tu ne les auras plus. Parce qu'il y a un système de pensée dans lequel tu t'es braqué sans savoir. Sur 100 filles que tu vas voir, peut-être deux vont te dire, je ne fais pas d'enfant avant l'âge de 30 ans. Pas parce que j'attends l'homme, mais parce que je veux d'abord me construire. Je veux d'abord me construire. J'ai des objectifs dans ma vie. Imagine, tu rencontres un homme, il t'invite. Vous n'arrivez pas à trouver un jour de la semaine où tu es disponible. Il dit lundi, tu dis Villemotte. Mardi, Villemotte. Mercredi, je suis occupé, je suis occupé. Oui, j'ai telle réunion. Oui, je vais aller me proposer ma marchandise à tel endroit. Oui, je serai dans deux. Je vais faire deux jours dans tel pays. Tu es occupé. Les jeunes filles aujourd'hui, aucun programme, aucun plan pour ta propre vie. Et quelque part, j'accuse les parents. Parce que, déjà même l'école, l'enfant n'a pas fréquenté. Elle est arrivée au bac, c'était dur pour payer l'école. Bonjour, bonjour. Et quand vous étiez en grandissant, les objectifs qu'on vous a donnés même, là en grandissant, toi, on m'a dit oui, tu vas devenir. On t'a jamais dit que c'est rare de voir un enfant qui a te dit, moi quand je serai grande, j'aurai 10 immeubles. Je serai président de la République. Je serai ministre. Est-ce que c'est très souvent que vous rencontrez des enfants qui parlent comme ça? Non, on a toujours les enfants qui sont là-haut. Vraiment, je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup. On ne t'a pas mis ça dans l'enfance. Ce n'est pas maintenant que tu vas avoir ça. Comme ça. Ça ne va pas venir, ça ne va pas tomber sur toi. Oups, je me suis retrouvée ministre de l'Intérieur par erreur. Non. Oups, non. C'est pour ça que tu es bloqué là où tu es, chérie. Bonjour Laura. Tu dois être prêt à abandonner ce que les gens attendent de toi. Abandonner ce que les gens attendent de toi. Et je vous disais tout à l'heure que dès que tu fais quelque chose et les gens de ton entourage apprécient, sache que la chose là n'est pas une bonne chose. Dès que tu fais quelque chose, bonjour Olivia, ton oncle dit, c'est bien ça ma fille, tes voisines sont là, non, comment tu vas, ma cota. Tu dois être prêt à, parce que sans le savoir, tu as le système de pensée de ta mère. C'est le plus naturel pour une personne. Tu penses comme ta mère.
Et regarde la vie de ta mère. J'ai fait un atelier la dernière fois, je leur demandais quelles sont vos idoles, vous appréciez, vous aimez. Oh, moi, ma mère, vraiment ma mère, parce qu'elle a beaucoup souffert. Tu apprécies quelqu'un parce qu'elle a souffert. Olga, bonjour. Hein? Jésus. J'apprécie ma mère parce qu'elle a souffert. Nah. Drop it. Leave it. Let's. Et comme tu parles là, c'est toi qui envoie 150 euros pour moi, ta mère. Viviane, bonjour, chérie. Quand tu apprécies la haine, dans 40 ans, c'est comme ça, c'est là-bas que tu as envie d'arriver. Je ne vous demande pas de détester vos mères ou quoi que ce soit. Mais tant que ta mère apprécie tout ce que tu fais, il y a des décisions que tu dois prendre, ta mère vient, elle dit, mais ma fille, c'est encore quoi le possible? Hein? Explique-moi l'autre aussi, c'est quoi ça? C'est là que tu sais que tu es en train de secouer le rythme. En anglais, on appelle ça hypnotic rhythm. C'est un rythme hypnotique. Tu es sous hypnose. Tu as des choses qui sont en train. Bonjour, Reine Lucia. Les choses qui sont en train de venir vers toi, ou vers lesquelles tu cours de façon. Quand il a fallu peut-être briser ton mariage, violence conjugale. Janice, bonjour. Violence conjugale, abandon de foyer, peu importe le nom que vous lui avez donné. Le jour où tu as décidé que je sors d'ici, tu vis à Paris, tu as trois travails, on désire te reposer. Mais tu sais ce que tu fais des réalisations à Brazzaville, voilà. Le jour où tu as dit que je sors d'ici et tu as posé des actes pour accompagner cela, tu te rappelles, chérie? Moi, quand ça m'est arrivé, en 2018, c'est la première fois où j'étais sortie du mariage dans lequel j'étais. Il y a 3 mois à dire à ma famille qu'on est...